partir du verset 1er. Samuel 10, verset 1er. Mm-hmm. Samuel prit une fiole d'huile, mm-hmm, qui répandit sur la tête de Saül. Oui. Il le baisa et dit, mm-hmm, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Mm-hmm. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchessal. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânes, oui, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont, comment tu te portes? Comment tu te portes? Ils te donneront deux pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Avec eux. Avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Reprends ce verset. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que tout le monde peut lire ce texte? 1, 2 et 3. On reprend. Mm-hmm. Mm-hmm. Maintenant, il faut dire ça pour toi-même. 1, 2 et 3. Mm-hmm. Mm-hmm. Reprends. L'Esprit de l'Éternel me saisira. Je prophétiserai. Et moi qu'on a honoré, je serai changé en un autre homme. Maya Santa Pré. Maintenant, lisons dans Actes chapitre 1. Alléluia. Actes chapitre 1. Mm-hmm. Lis à partir du verset 3. Verset 3. Mm-hmm. Après qu'il eut souffert, mm-hmm, il s'agit de Jésus. Il est apparu vivant. Il est apparu vivant. En leur donnant plusieurs preuves. Mm-hmm. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 12. Mm-hmm. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Il leur a dit d'être à Jérusalem. Ils seront des témoins à Jérusalem. Donc ils vont se mettre quelque part. Hein? Ils seront retournés à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. Oui. Qui est près de Jérusalem. Mm-hmm. À la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Quand il fut arrivé, mm-hmm,
Ils montaient dans la chambre haute. Ils montaient dans la chambre haute. Oui, c'était né d'ordinaire. Ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Pierre. Jean. Jean. Jacques. Jacques. André. André. Philippe. Philippe. Thomas. Thomas. Barthélemy. Barthélemy. Matthieu. Matthieu. Jacques. Jacques. Fils d'Alphée. Mm-hmm. Simon le Zélote. Mm-hmm. Et Jude, fils de Jacques. Jacques. Mm-hmm. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévérés. Persévérés. Dans la prière. Dans la prière. Avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Lis le chapitre 2 à partir du verset 1er. Ils sont où en ce moment? Ils sont où en ce moment? Ils sont à la chambre haute. Ils étaient d'un commun accord. Ils étaient en train de prier. Et non seulement ils étaient en train de prier, mais ils persévéraient dans la prière. Dis avec moi persévérance. Dis bien persévérance dans la prière. Pendant qu'ils persévéraient dans la prière, regardez ce qu'il va suivre. Dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans la même, dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset 14 du chapitre 1er. Et la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et au chapitre 2, on dit encore le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous dans le même lieu. Vous me suivez? Vas-y. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Yes. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mm-hmm. Des langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur appareil séparait les unes des autres. Mm-hmm. Et se posait sur chacun d'eux. My God. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Et se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mm. Continue. Or, il y avait en ce jour. Il y avait en ce jour. À Jérusalem des Juifs. À Jérusalem des Juifs. Hommes pieux. Hommes pieux. De toutes les nations qui de sont. De toutes les nations qui sont. Sous le ciel. Sous le ciel. Au Vous bruit, comprenez? Les gens sont venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ils avaient pris rendez-vous. Pourquoi? Pour la Pentecôte. Et pendant qu'ils sont venus pour cette grande fête, ils étaient là en train de fêter, mais à un groupe de personnes qui étaient à la chambre haute. Ça va? Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voulais simplement vous dire que hier, pour pouvoir régner, Dieu, il passe par des hommes. Ça va? Pour manifester sa gloire, il passe par des hommes. Et l'Ancien Testament, quand vous lisez, pour que tu puisses atteindre un certain niveau de règne dans le système royal, il fallait nécessairement que une autorité spirituelle te oigne. Pour que tu puisses régner, pour que tu puisses dominer, pour que ce que Dieu a dit, quand il a créé l'homme et il a créé la femme, il leur a donné le mandat de dominer, de régner, d'assujettir la terre. Mais dans le système royal, pour que cette parole tu puisses l'accomplir, il faut que quelqu'un, une autorité spirituelle, à la dimension de Samuel, tu le rencontres et qu'il mette de l'huile sur toi. Amen. Et c'est de cela qu'il s'agit. Un monsieur, il s'appelle Saül. Il cherchait les ânesses de son père. C'était pas prévu qu'il aille voir Samuel dans son plan en quittant la maison de leur papa, la maison de familiale, en partant pour la recherche des animaux. C'était pas dans leur programme.
Mais il s'avère qu'ils cherchent le matin jusqu'au soir. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont à droite, mais ils ne retrouvent pas les ânesses. Bien-aimé, certainement c'est ton cas. Souvent tu vas à gauche, tu crois trouver le bonheur. Souvent tu vas à droite, tu penses trouver le bonheur. Bien-aimé, tu ne peux pas trouver le bonheur tant que tu n'es pas rentré en contact avec un oint de l'Éternel. Ça va? Il a cherché, cherché. Maintenant, il s'inquiète. Il dit, mais ça fait des jours. Donc, l'Esprit de Dieu va leur dire, là où vous êtes là, allez-y consulter un homme de Dieu. Et ils s'en vont. Je vais aller vite. Ils rencontrent l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, lui aussi, Dieu lui avait déjà dit qu'il y a quelqu'un sur qui personne ne compte. Il est désemparé. Il est désorienté. Il ne se retrouve pas. Tu vas le rencontrer. Et quand vous deux, vous allez le rencontrer, je te donne le mandat. Dis avec moi le mandat. Je te donne le mandat de le oindre. Et quand tu vas le oindre, il ne sera plus la même personne. Il ne sera plus le même Mominé. Il ne sera plus la même Madame Sialou. Mais l'onction que tu vas déposer sur lui va lui permettre de régner. Vous comprenez? Celui qui a perdu les ânesses, il ne savait pas. C'est comme tu es venu ce matin. Tu ne sais pas qu'en sortant d'ici, ta vie va changer. En sortant d'ici, les données vont changer. Mais Dieu a déjà prévu. Dieu a déjà prévu. Dans le spirituel, Dieu a déjà prévu pour dire, ce jour-ci, lorsque tu vas venir à Bethanie et Bénézer, certainement on t'a invité, ou bien tu es venu de toi-même, certainement tu as l'habitude de venir, mais je t'annonce qu'aujourd'hui, lorsque tu vas sortir d'ici, tu seras transformé en une autre personne. À une autre personne. En une autre personne. Merci ma fille. Nyam et Dangaoro. Tu seras transformé en une autre personne. Bien-aimé, il arrive des moments que Dieu attend que nous nous approchions d'un homme de Dieu pour que notre vie change. Si ta vie ne change pas, je te donne cette bonne information. Attache-toi à un homme de Dieu. Attache-toi à un homme de Dieu. Il a l'orientation nécessaire. Il a les rudiments nécessaires pour pouvoir t'aider à avancer. La Bible dit quand ils sont partis, quand il a oint, Saül a été oint. La première information qui est parvenue à ses oreilles, on lui a dit, regarde, les ânesses pour lesquelles tu es venu jusqu'ici, je t'annonce que les ânesses sont retrouvées. Les ânesses étaient une richesse pour lui, étaient une priorité pour lui, étaient quelque chose qui c'était tellement important au point qu'il s'est déplacé. Quand il a été oint, systématiquement, les ânesses ont été retrouvées. Je t'annonce au nom de Jésus de Nazareth que ce que tu as perdu, ce que tu as perdu, il y a des années en arrière, il y a des mois en arrière, je t'annonce qu'aujourd'hui, tu vas les retrouver au nom de Jésus. Tu vas les retrouver au nom de Jésus. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça va dépendre de ton obéissance. Tu vas les retrouver et tu ne vas pas les retrouver en moins, mais tu vas les retrouver en multiplication. Oui. La première information, quand tu reçois l'onction, Dieu dit ce que tu as perdu, tu vas retrouver. Ce que tu cherches, tu vas retrouver. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le travail. En sortant d'ici, Dieu va disposer le travail pour toi. Tu cherches quoi? Tu cherches un mariage. Dieu va te donner ce mariage. Tu cherches quoi? Le bonheur. Dieu va te donner le bonheur. Tu cherches quoi? La joie. Dieu va te donner la joie. Dieu va te donner la joie. Il va te donner la joie. Il va te donner la joie. Il va te donner la joie. Certainement, tu as besoin de sourire, mais tu ne trouves pas le sourire. Autour de toi, personne ne t'aide à retrouver ce sourire. Mais je t'annonce que quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, le sourire vient. Ma soeur, reçois le Saint-Esprit et sois transformé. Mighty Gloria Chakabré. Qu'est-ce que tu cherches, frère? Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Je suis là pour te dire que le Saint-Esprit te permettra de trouver le bonheur. Fort.
Bible dit, on lui dit, les ânes que tu cherches, je t'annonce que les ânes sont retrouvés. Ils sont en train de s'inquiéter pour toi. Mais une des choses, quand tu vas descendre, les premiers pas que tu vas faire, tu vas rencontrer des personnes. Alléluia. Alléluia. Tu vas rencontrer des personnes. Ils vont te saluer. Bien-aimé, on peut rencontrer plusieurs personnes. Par contre, il y a des personnes, quand on les rencontre, notre vie change. Quand tu as l'onction, il y a des rencontres qui changent systématiquement notre vie. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour que tu fasses des rencontres qui vont bouleverser positivement ta vie. Quand il est descendu, effectivement, il a rencontré deux personnes. Et la Bible dit quoi? Ces deux personnes qu'il a rencontrées, ils avaient quoi en main? Ils avaient quoi? Ils avaient gâteau, ils avaient pain, ils avaient du vin. Et en Israël, le vin est synonyme de la joie. Aïe. Et quand ils l'ont rencontré, c'est que quand il est parti, on lui a dit, les gens qu'il a rencontrés, ils lui ont donné du pain. Et le pain, vous le savez, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. On lui a donné. À partir de cet instant, il était en train de grimper dans le spirituel. Bien-aimé, quand tu es loin, quand tu as l'onction, Dieu attire les hommes vers toi. Il attire les hommes vers toi. Non seulement les hommes vers toi, mais ils viennent avec des présents pour te donner. Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé. Il y a des hommes que Dieu a préparés pour toi. Pour ton concours, il y a des hommes que Dieu a préparés. Pour ton mariage, il y a un homme que Dieu a préparé. Pour ta joie, il y a un homme que Dieu a préparé. Oh Seigneur. Mais pour que tu puisses les rencontrer, il faut que tu sois loin. Ça va. Tu peux dire que là où tu es, j'ai tout, mais en réalité, tu as encore besoin de quelque chose. Tu as encore besoin de quelque chose. Dieu veut te donner plus que ça. Le monsieur était beau. Quand vous lisez, il était beau, il était bien élégant. Mais il n'avait pas l'onction. Il ne pouvait pas s'asseoir sur un trône. Pour régner, il a fallu qu'il rencontre Samuel. Et la Bible dit, non seulement on lui a donné les présents, et il lui a dit, tu vas trouver un groupe de personnes et ils seraient en train de prophétiser. Joins-toi à eux. Je raccourcis. Joins-toi. Sois avec eux. Et puis, il les a vus. Il s'est mis ensemble avec eux. Il dit, tout ce que ton cœur te trouve, tu trouves à faire, fais-le. Et à un certain moment, il a vu que des gens étaient en train de prophétiser. Bien-aimé, quand tu as l'onction, ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Quand tu as l'onction là, l'onction te permet d'avoir la révélation. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu et c'est sa manifestation. On ne marche pas avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas le même esprit que tu as. Ça va? Il y a des gens, quand tu marches avec eux, ton don s'éteint. Tu perds ton talent. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, tu n'as aucune révélation. Si hier tu avais la possibilité d'entendre Dieu, tes oreilles se bougent, tu n'entends plus rien. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, ta vie de prière prend un coup. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, vous insultez le pasteur. Il y a des gens, quand vous avant que tu n'étais pas comme ça,
Mais il y a des gens, quand tu marches avec eux, tu manques du respect même à ton propre père. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, tu perds le regard, la vision de Dieu. Il dit, tu vas partir. Il aura plusieurs groupes, mais il y a un groupe. Tu vas les voir, ils sont en train de prophétiser. Va et rentre dans ce groupe. Tu vas voir ce que Dieu va faire. La Bible dit, quand il est rentré dans ce groupe-là, c'est comme à l'église. C'est comme à l'église. C'est comme à l'église. Dieu te prépare pour des choses excellentes. Mais il faut savoir avec qui tu marches. Parce que si tu ne fais pas attention, tu ne pourras jamais prophétiser. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras jamais atteindre le sommet. Tu ne connaîtras pas le règne. Quand il est rentré dans ce groupe, la Bible dit, il n'avait jamais prophétisé. On savait que c'est quelqu'un qui cherche à naître. On savait ça. Mais quand il est rentré dans ce groupe, il a commencé à prophétiser. Avant qu'un homme ne prophétise, il faut qu'il entende la voix de Dieu. Afin qu'un homme ne prophétise, il faut qu'il voie la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait la révélation des choses à venir. Des choses à venir. Des choses à venir. Il faut que ses yeux s'ouvrent. Quand il est rentré dans ce groupe, sa bouche a été déliée. Il a eu la révélation, les données de Dieu. Dieu a commencé à lui donner les choses, les dogmes de la prophétie. Oui, pour régner. Pour pouvoir régner, il y a des étapes. Tu peux recevoir l'onction, mais comment est-ce que tu en fais? Tu marches avec qui? Il y a des gens, si tu marches avec eux, tu ne pourras pas. Au lieu d'avancer, tu ne pourras pas avancer. C'est vrai, non? Bien aimé, à l'église, là, chacun est venu pour se chercher. On est converti pas le même jour. On adore le même Dieu. Mais chacun a une responsabilité pour sa propre vie, pour son avenir, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Toi-même, tu dois penser. Toi-même, tu dois penser. Je dois avoir l'onction. Je dois avoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous l'avez. Vous l'avez. Mais qu'est-ce que vous faites de cela? Qu'est-ce que vous faites de l'onction? Qu'est-ce que vous faites de l'esprit? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Saül, parce qu'il a reçu l'onction, il s'est assis sur un trône et il a commencé à régner. À régner. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu en toi te donne de régner. 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 Partout où tu seras, règne au nom de Jésus. Partout où tu iras, règne au nom de Jésus. Partout où tu mettras les pieds, règne au nom de Jésus. Là où les portes s'ouvriront, lorsque tu mettras ton pied, lorsque le mystère du règne se connecte à ta vie au nom de Jésus. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi on doit régner. Aïcha Cabré. Le temps du règne. Du règne. Du règne. Du règne. Dis c'est mon temps. Aïcha Cabo Kontoprique Tabajamase. Tout ce qui était impossible devient possible. Et tu ne feras pas trop d'efforts. Tu ne feras pas trop d'efforts. Lorsque l'homme que Dieu a prévu pour toi depuis la fondation du monde, pendant que nous sommes en train de parler, l'onction que tu vas transporter ce matin, qu'il attire vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand il est descendu des hauts lieux, la Bible dit qu'il a rencontré des gens, que toi aussi tu rencontres des gens, que 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 tu rencontres des gens. Les gens qu'il a rencontrés, c'est des gens qui avaient la possibilité de changer sa vie. Ils avaient des présents, ils avaient du pain, ils avaient des gâteaux éternels.
Permets que ton fils rencontre quelqu'un. Permets que ta fille rencontre quelqu'un. Et que son bonheur, que sa joie soit évidente. Et le même esprit, de la même manière. Saül a reçu Dieu. Dans Actes, ça va se présenter sous une autre forme. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans l'exercice de son travail, il a appelé des gens auprès de lui, sur instruction de Dieu. Et il leur a dit, regarde, ce que je fais là, vous devez faire la même chose. Et d'ailleurs, plus que ça. Mais pour que vous puissiez opérer, quand je ne serai pas là, vous devez recevoir une puissance. Dis avec moi, puissance. Donc, si je n'ai pas reçu la puissance, je ne peux pas régner. Si je n'ai pas reçu de puissance, il y a des choses que je ne peux pas faire alors. Dis bon, d'accord, on a compris. Et effectivement, Jésus, on le crucifie. 3 jours après la résurrection s'opère, il vient pendant 40 jours marcher avec eux. Il se révèle avec eux et il donne ses instructions pour dire, ce que je vous ai promis là, pour que cela tombe sur vous, pour que cela se manifeste, vous devez vous retrouver quelque part à Jérusalem. Ça va? Vous devez vous retrouver quelque part à la chambre haute. Et on ne se retrouve pas là-bas avec n'importe qui. La même chose avec Saül. La même chose se retrouve avec les disciples de Jésus. On dit tout le monde entier, les hommes pieux de tout le monde entier s'est retrouvé à Jérusalem par rapport à la Pentecôte. Ça va? Mais pendant que tout le monde est là, il y a un groupe de personnes que la Bible a mentionné leur nom et ils étaient quelque part parce que leur besoin, ce n'était pas la Pentecôte seule, mais ils attendaient une promesse de leur maître pour qu'ils puissent opérer dans leur surnaturel et dans le mystère du règne. Ça va? Il se retrouve dans un lieu et la Bible dit que tous ceux qui étaient dans ce lieu-là, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient en commun un même cœur. Est-ce que toi, ton cœur est pour moi là? Est-ce qu'on peut mettre ensemble? Mais la Bible dit, pour que tu puisses atteindre certains sommets, lorsque toi et moi on est ensemble, pour que nous puissions voir la promesse de Dieu, il faut que ton cœur et mon cœur soient un. Pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et dans ma vie, d'une dimension égale, il faut que ton cœur et mon cœur soient un. Et lorsque nous sommes ensemble et que notre cœur est un, que nous ne nous arrêtons pas là. Mais en plus de cela, il faut que nous ayons nos yeux fixés sur l'objectif principal qui est la promesse. Quand vous vous mettez ensemble, c'est qu'il y a un but commun que vous visez, n'est-ce pas? Quand vous vous mettez ensemble, il y a un but commun. Sinon, on ne peut pas être ensemble. Si on n'a rien en commun, on ne voit pas dans la même direction, on ne peut pas être ensemble. C'est vrai ou c'est faux? Donc, quand vous vous assemblez, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que le règne vienne dans la vie de chacun d'entre nous, merci. Il faut que vous soyez un en esprit, unité de cœur, et ayez le même but. Si c'est pour aller braquer, les gens se mettent ensemble, et puis ils s'en vont. C'est vrai, non? Si c'est pour tuer, ils se mettent ensemble. Et puis, d'un même esprit, ils se préparent.
C'est ça, non? Ils se préparent. Et puis quand ils se lèvent, quand ils s'en vont, rien ne va les intimider. Souvent même, ils font des échanges de tir avec la police. C'est vrai, non? Pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Mais aujourd'hui, nous crions, Seigneur, donne-moi ton règne. Donne-moi ta puissance. Mais c'est avec quel groupe nous avons constitué? Est-ce que nous avons un but commun? Est-ce que le but commun que nous avons est en harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que ça tient dans la même fourchette que la promesse de Dieu qui est rattachée à chacune de nos vies? Ça va? Si toi et moi on est ensemble, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Et cette chose-là, tu vas voir, pour que ça puisse s'accomplir, il faut que nous soyons réellement ensemble. Si on est réellement ensemble et qu'on est unis et qu'on persévère, on est déterminé, c'est sûr que la promesse de Dieu va s'accomplir. On peut être ensemble d'un même cœur, mais après deux jours, il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent être faibles d'esprit et puis vont dire, Jésus là même, est-ce que réellement il va venir? Est-ce que Saint-Esprit là même réellement il va descendre? Il va faire descendre ça. Il y a des personnes, ils sont là pour t'envoyer dans le décor. Mais la Bible dit l'équipe qui était là, pour que le Saint-Esprit descende, ils étaient un en esprit, dans le cœur. Et ils étaient tous ensemble en train de persévérer dans la prière. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien si tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas être un bon chrétien si tu n'aimes pas la prière. C'est pas possible. Mais plus tu pries, plus Dieu te montre ce qu'il y a à faire. Plus Dieu te donne des orientations. Plus tu pries, plus Dieu se dispose à accomplir sa promesse. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, il y a eu un mouvement, comme un vent. Et tout à coup, c'est venu de manière soudaine. Et quand c'est tombé sur eux, la Bible dit, ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Alléluia. Et en parlant en langue, comme l'esprit continue, leur donna de s'exprimer. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de parler. Vous comprenez? Selon que l'Esprit leur donnait de parler. Et vous allez voir que dans la suite, tous ceux qui étaient à Jérusalem, ils ont été frappés d'étonnement de ce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui se sont tout d'un coup, ils sont apparus et puis ils ont commencé à parler baoulé. Ils ont commencé à parler chinois. Ils ont commencé à parler wéroé. Ils ont commencé à parler quoi encore? Guéré, pété. Ils ont parlé quoi encore? Allemand. Ils ont commencé à parler toura. Tagbana, ils ont fini à ça. Tiens, il parle tagbana. Il parle. Alors qu'au milieu d'eux, il y a des tabara. Ils parlent quoi? Dita, ils ont commencé. La Kota, il s'est mis en mouvement. Tout la Kota était là. Quand l'onction est tombée sur eux, ils n'avaient jamais parlé Dida. Mais ils ont commencé à parler Dida. Et les gens étaient surpris de savoir que ceux-là, ils n'ont pas Dida et puis pas Dida. Ceux-là, ils n'ont pas chinois et puis ils parlent chinois. Ceux-là, ils n'ont pas Toura et pas Toura.
gouvernement. Et à partir de là, la vie de ceux qui ont reçu cette onction, qui ont été visités, ça a été changé. Je suis venu te dire ce matin, dis avec moi ce matin, je crois que ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie spirituelle va changer. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Demande à ton voisin, est-ce que ça va? Tu veux que ta vie change? Si Dieu change ta vie, c'est pour aller régner. Et quand il donne, c'est pour que vous soyez des témoins. Jésus a régné, non? On dit sa renommée s'est répandue. C'est ça, non? Sa renommée. Les gens parlaient de lui de partout. Ils regardent cadavre, cadavre, lève-toi. Et puis, cadavre s'élève. Ça va? Il voit mère, elle est étendue. Et puis il commence à marcher dessus. Quand il marche comme ça, qui a mis goudron là, lui il s'en fout. Il marche. La puissance de Dieu se manifeste. Et c'est ce que Jésus veut que tu fasses. Alléluia. Mais pour le faire, tu as besoin de respecter les étapes conduisant avoir l'onction. Et lorsque tu as l'onction, il y a des étapes que Dieu t'exige pour pouvoir les manifester. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Apprends-nous à te connaître et apprends-nous à aller en eau profonde. Tiens-toi debout.